Mes yeux. Voilà, on y arrive. Un petit bilan, enfin, pour l'instant actuel, bien sûr, le jeu de PS4 que j'ai préféré. C'est une génération. Ouais, bon, ça va déplaire tout le monde. Ou pas, hein. Il y a du bon, il y a du remaster, il y a du remake. Ouais. Mais il y a du bon jeu surtout. Tout ça. Un peu de spoil, non, vraiment. Ouais, tout ça. Bon, après, c'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est pour faire un peu de suspense. Voilà. Bon, bah, un petit classique, hein. Assassin's Creed 4. Un jeu qui a presque pas vieilli, 2015 déjà. 5 ans, presque. 2015, c'est ça, 2015. Assassin's Creed 4. Pour moi, c'est comment dire. Voilà, c'est la conclusion de la série. Je pense qu'après, il n'y a pas besoin de faire une suite. Il n'y a pas besoin. À part que vous finissez, c'est pas une suite où son fils, son petit-fils, c'est pas. C'est ça. Celui-là. Il mérite encore son titre. Ouais. Puis il y en a un de lui. Ouais. Puis bien, j'ai fait deux dans le ciel. Voilà. Peut-être 5. Non, 4, pas 5, non. Voilà. Premier délice, un jeu mémorial. Et grand, immense. Ouais, et claque, quoi. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Bon, ça c'est le culte par excellence. Je voulais mettre l'avant d'être automatant. Hein. Ouais. Ni automata. Appelez-vous-en. C'est vraiment génial. Yes. Pourquoi? Faites-le. Non mais simplement, c'est un jeu hors norme, hors contexte. En plus, il y a peu de tout, un peu suscité tout ça actuellement. Donc tout est dedans. Voilà. Tout est lié. Voilà. Je l'ai kiffé ça en 2007. J'ai fait un milite et j'ai refait avant, enfin février 2020 j'ai fait, et que pas je réponds. C'est un chassé, tu peux refaire avec oublié. Voilà, j'ai resté là. Non, j'ai resté ici, là. Vers son Game of Gear pour 15 balles. Avec 15 balles, tu prends. Voilà. Ni autre matin. Voir à l'humanité. Tout à fait. Un jeu culte par excellence. Et il n'y a pas mieux. Bon, après, voilà. Dans l'eau. Et streaming pareil, un jeu que j'ai détesté pour une raison, voilà. Moi c'est un jeu Kojima, donc voilà, et de tout. Mais alors j'adore le faire. Là, j'ai pas joué depuis, je l'ai fini l'année dernière, en décembre. Juste avant, voilà, j'ai fini, je regrette pas. Je pensais à le refaire cette année. Enfin, l'année prochaine, je vais comprendre. Voilà, pour platiner ou pas, mais là, j'ai kiffé ça, c'est vraiment excellent. C'est pas juste un jeu que tu balades dans un coin de marche, non, mais c'est un jeu que, voilà, pareil, il y a de tout. Bien, moi bien, mais c'est Kojima. Ils adorent ce jeu. C'est un jeu culte dans son nom. Et il faut avoir fait une fois sa vie pour comprendre ce que c'est. Parce que même si on veut dégager des jeux qui jouent avec, c'est pas grave. C'est un jeu que tu es au poisson. Voilà. Death Landing. C'est les faux qui sont appréciés le jeu. Ouais, il y en a un. Tu n'as pas mis les Rush Boys dans le jeu. Ouais, je mets les deux en vrai. Là, t'as que le France, t'as que le France, t'as que l'anglais. T'as pas de monnaie. C'est le jeu des faux. Ils sont con, mais ils peuvent mettre l'anglais aussi, ils ont pu aussi, voilà, c'est juste ça, les japonais. Mais bon, à part ça, c'est assez bon. Bon ben, j'ai en train de plus mettre, si, le Bloom. Le Bloom est assez vieux, d'ailleurs. Parce que j'ai connu la série par Bloom, par les créateurs, par le software, par mes acquis, voilà. Des jeux sur les voleurs, des jeux de combat, des jeux d'aventure. Gigantesque, énorme, c'est difficile à un point de passer à et dire que les autres mais ça, c'est 6 sur 10, mais il mérite 8-9 pour moi. J'ai passé des crashs avec des manettes, enfin voilà. Les jeux pour certains personnes, c'est difficile. Certains joueurs qui mènent d'autres, tu en chies, mais faut-tu. Pour moi, j'ai mis aussi Blueband dans l'eau. C'est le deux jeux cultes de cette génération. Blueband, puis Blueband et Scoop S4. Voilà, t'as plus de 5 après. Mais c'est le jeu que je devrais faire, voilà. Et les deux, sur Platine, Bloodborne et Tekiro, c'est le jeu culte, voilà. Ça, c'est des jeux énormes. Enfin, il faut faire. Tekiro. Alors, ici, bah, tu as Kingdom Hearts 3, évidemment, Kingdom Hearts 3, mais il méritait pas dedans. Bah, si, il est dedans, mais pas dedans, mais c'est pas ce que je veux dire. Parce qu'il est dedans, il faudra compléter les jeux, enfin, bien sûr, c'est l'ancien. Et il faudra faire le DLC primaire qui suit, et qui n'est pas inclus dans le flow de base. Alors qu'il aurait dû être appliqué, il est fou, mais voilà, mais quand même, ce qui est mars, vu que c'est une génération, et j'ai 2 ans, 2019, février ou mars 2019, voilà, donc déjà, c'est du culte pour moi, c'est mars 3, ça devrait le faire,
Et petit, voilà, c'est Guilmas 3, j'adore. Guilmas, c'est Guilmas, voilà, j'ai tout fait. Bah là, c'est un jeu qui est pas été perdu dedans. Enfin, du moins, parce que vu que c'est. Pourquoi? Parce que c'est un remaster PS 3DS, S3, Xbox, ouais, c'est un remaster, ouais, du hasard. Et bien sûr, ouais. Ouais, parce que du hasard, quoi. Il faut Bioshock dans les listes. Ouais, pour moi, il faut Bioshock. J'ai joué tous les Bioshock. Tous les Bioshock, j'ai tous fait, sur tous les garçons. J'ai tous fait à fond, pas à fond, petit, à fond, tous. Tous. Celui-là, j'ai souhaité quasiment 700 heures dessus, je sais pas. Par là, mais j'ai adoré le jeu, c'est assez culte. C'est tellement, c'est des heures de fourri, de guerre que l'ami, d'être Laurent, voilà, c'est Bioshock, quoi. Bioshock, c'est énorme. Et énormissime. Bon, c'est pas un jeu qui est peut-être la PS4 à fond, quoique. J'ai dit voilà, mais non. J'adore Biazard, c'est tout. Voilà. Il y a deux dans le loup, il y a deux Biazard dans le loup. Devinez quel est le prochain qui est dans le voilà, mais ça va être chaud. Bon, mais là, il fallait après les trainings, il fallait Kojima, et puis voilà, la liste. Ouais, Phantom Pain. Ouais, alors celui de Kiwi Saras, sorti déjà en 2015, pour information. Ouais, c'est en 2015, sorti, ouais. Phantom Pain, j'adorais, j'ai kiffé Saras. Excellent, c'est du grand. Pour moi, c'est là les jeux d'autres trois des jeux que je trouve faire une fois de sa vie. Et c'est un jeu énorme, ça. C'est tout. Alors, après, pour moi, c'est un truc dans le cinéma. Je peux mettre également le Grand Heroes qui passe avant, avec le vrai Snake. Je parle toujours pas du temps, quand même. Mais voilà, mais c'est un bon jeu. Quand on parle de l'équipe, etc., pour moi, c'est la dernière. C'est la dernière boutade de ce que l'ami qu'il a fait avant de faire virer, enfin, l'ami, pardon, c'est dans les jeux. Et c'est excellent. Même c'est. Voilà. Faut n'en pas une. Bon, voilà. La fois, il y en a dit. Il en a fallu un dans l'eau quand même, parce qu'il y en a quand même un. Hein. Voilà, le Wally Rose. Wally Fantasy qui est excellent, ça avance. Hein. Petit bijou, voilà, un petit. Pokémon. C'est vrai qu'il était pas quand même like, certes, pour le début du monde, c'est rare, mais voilà, c'est pour la gueule, si on croise du PSP, vite à PS4, mais c'est vrai, le jeu après, c'était après derrière, mais c'est après, sur Switch, voilà, mais ça c'est bien sûr quand même, c'est j'avais dans la salle de 2016, sorti du, un peu avant FF15, voilà, mais il est avant même que FF15, pour moi, je suis enfin plus écouté sur le jeu avec FF15, je le conseille grâce à Rath, parce qu'il est excellent, excellent Rath, je l'avais rejoué. Mais j'ai Vita, j'ai Vita japonais, j'ai européen, j'ai 4 fois le jeu, enfin, j'ai 4 fois. Fais-y. Un autre jeu dans l'eau, hein, on attend. Voilà, Catherine Fubody. Alors, pareil, il a pas dit dans le temps, enfin, c'est génial, mais vu que c'est un jeu PS3, ben, c'est pas vraiment la faire parce que c'est pas le même jeu, parce qu'il y a resté une fille, un message tout refait, voilà. Donc, c'était quasiment un nouveau jeu, presque. C'est ça, des rimes avec Audio, on va dire ça. Même si la base et les trucs qui restent, c'est une nouveauté. Et vu que j'ai dans le jeu, j'ai patiné deux fois sur PS4, enfin deux fois PS4, deux fois PS3, enfin voilà. Donc j'adore ça, c'est Catherine Full Body, un jeu qui est méconnu pas trop encore, alors qu'il devrait l'être, c'est un jeu excellent. Et que j'adore, et que je suis Catherine, quoi, j'adore ce jeu, c'est obligé de le faire, c'est obligé. Ça, c'est un jeu qui te. Ouah. Non, mais franchement, c'est. What the fuck? What the fuck is game? C'est, pour moi, dans les 10 ans que j'ai fait, 10 ans de jeu que j'ai fait, c'est le plus what the fuck. Sérieux. Avec Nier. Tu vas dans, bah, Nier, mais c'est au niveau. Bon, aussi, voilà, Bioshock 2. Et remake. Voilà. Voilà. Même si le 3 est bien aussi, hein. Le 3 est plus court, le 2 l'a mieux. Hein. Il fallait Bioshock sorti dedans. Voilà, je voulais, bien sûr. Voilà, j'ai torché les yeux en beaucoup de temps. Voilà, j'adorais. Puis Bioshock, c'est Bioshock. J'adore. C'est tout. Voilà. Ça, c'est un remake. C'est vrai qu'il est un peu plus long que l'original de l'époque. Voilà. Mais c'est ce jeu que j'adore à faire. Voilà. Bioshock 2, remake. Sorti il y a 2 ans. Voilà. On est fait dans le. Bon après voilà, c'est un jeu pas trop connu. Voilà. Sorti en même temps que FF15 quasiment. En le décembre 2016 déjà. Là c'est The Guardian, voilà. J'ai envie de faire un live dessus, parce que là j'ai d'accord, mais qu'il y a des gars sur le compte. De l'époque, il y a 4 ans. Et c'est un jeu qui est short, faut au moins un jeu dans l'eau, hein, faut me là. J'attends à mettre aussi le remaster, le remake sorti récemment, donc c'est le plus, mais comme celui-là il est plus récent, et puis c'est bien, puis voilà, c'est un super jeu. Voilà. C'est pas juste un jeu que tu contrôles les mails, enfin, voilà, très bien. Last Guardian.
Ah, c'est un peu. Excellent. Bon, voilà, c'est quelques jeux. C'est des jeux sortis Money Office. Bon, voilà. Ta Sentinelle. Voilà. Je peux mettre aussi Odin Sphere aussi. Je devrais mettre aussi Dragon Scroll, il m'a sorti PS3 un peu plus tard, voilà. Mais celui-là est sorti que sur PS1. Et récemment, plus d'années plus celui-là, et puis j'adorais deux, et c'est Zima, pareil, tu bouleverses. C'est un jeu qui casse les codes. Général, je pense en jeu comme ça il est. C'est un jeu qui te met. Oh, puis il te secoue la tête. À chaque chapitre, à chaque finale, tu fais what? Tu prends. Mais la gueule. C'est ça. C'est ce jeu-là. C'est ce jeu-là, tu dis. Allez, pourtant, tu te fais. À la fin, tu te fais comme ça. C'est pour ça que j'ai excellent. Alors, un jeu qui te fait changer. Voilà. Bon, voilà, on arrive. Persona 5 Royal, non. Mais non, j'ai vu que j'ai fait le jeu en façon normale, sorti en 2016 déjà. On vient, c'est le jeu assez, il a 2. Et là, j'ai refait à la 5 platine cette année. Puis en durant le confinement, etc. Voilà, j'ai le 2, j'ai refait à fond. Et puis, genre, Persona 5, c'est un jeu RPG unique. Et au moins, t'as une fin. Enfin, voilà. Donc, voilà. T'as une fin. Voilà. Persona 5 Royal. Excellent. Bon, je peux te mettre aussi dans l'eau, mais vu que c'est un jeu type PS3, enfin, c'est un jeu remaster, voilà, 8 à l'heure, voilà. Manetta, Vanquish, des jeux Platinum Games, voilà, comme Menu Manetta, même studio, voilà, qui font Benelux, que j'adore, puis je kiffe le jeu, parce que Manetta, c'est des jeux cultes qu'il faut affronter sa vie, voilà, il doit être dans un top de beaux joueurs. Voilà, c'est tout, voilà. Bon, on finit par le final, hein. Bah, évidemment, j'ai deviné, hein, il reste plus qu'un jeu de cette année, plus FF7 Remake, ouais. Bah, mais bon, pour moi, même s'il est très bien jeu, il est dans le top 3 ou top 5, dans le jeu que j'ai fait là, hein, top avec Nirota et Metal Gear, mais pourquoi il n'est pas le 1, bêtement, parce qu'il y a une fin, certes, mais c'est pas la fin, alors que la fin, on l'aura dans 2025, pardon. Donc voilà, donc à attendre 3-4 jeux pour avoir le jeu complet, et voilà, alors que l'autre est à la fin, le jeu, tu l'as vu, c'est une fin, hein. Le jeu là, enfin t'as une fin, hein, mais là t'as une fin et voilà. Donc voilà, mais quand même, c'est un jeu culte, il faut l'avoir sur PS4, il faut l'avoir. Depuis 10 ans, il faut l'avoir dans la liste des jeux du joueur PS4. Voilà, c'est tout pour cette review de tous mes jeux préférés de cette génération de PS4. Même cette en version PS3 parce que c'est les jeux remaster. Mais c'est pas fou, c'est pas grave, vous voyez que c'est le jeu comme ce côté cette console. Ce qui est vrai, il n'y a pas beaucoup à chier. Hein. Encore, j'ai oublié. Il y a plein de jeux que j'ai fait, que j'ai bien aussi. Hein. Mais c'est pas parce que les jeux ne sont pas dans le top ou dans le classement que les jeux sont mauvais. Hein. Parce que genre, les jeux mauvais, et ben, c'est vrai, ils n'achètent pas. Complètement. Hein. Enfin, en général. Alors, 99,9%. Voilà. Allez. Bon, moi, ça, je voulais mettre stop. Si vous l'aimez, ben, appréciez le petit like, ou ce commentaire, si vous voulez. Voilà. Puis, on se voit à la prochaine. On verra ce qui passera à la prochaine. Voilà. Allez, à bientôt. C'était Raphaël pour la section de jeu de PS4. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir, bye bye. Allez, d'ailleurs,